Raphaël, es-tu prêt? Ouais, je suis prêt. Et maintenant, tu vas commencer le jeu parcours naissance décès en 24 heures. J'y vais. Bonne chance à moi, les amis. C'est parti. Premier anniversaire de notre bébé. Comme tu es mignon, mon petit gars. Et voilà ton premier gâteau, mon fils. Laisse-moi le tenir. Je vais tenir le gâteau. Donne-le-moi, je suis son père. Et moi, je suis sa maman, en fait. Et c'est moi qui vais le tenir. Et c'est l'anniversaire de mon fils, alors donne-le-moi. Il est mon fils aussi, je tiens à te signaler. Donne-le-moi, je suis son père. D'accord. Bon anniversaire, mon fils. Grandis bien. Oh, désolé, je suis désolé. Je n'ai pas fait exprès. Merde. Je vais tenir ça. Bon anniversaire, mon fils. Félicitations. Ah oh. Qu'est-ce que je mange, les amis? Je vais manger ça. Oh mon Dieu! T'as vu l'heure qu'il est? Et tu es encore en train de jouer et de manger? Allez, papa, c'est bien, qu'est-ce que je fais? Tu devrais déjà être au lit, alors tu vas te coucher maintenant ou pas? Ouais, papa, bien sûr que je vais me coucher. Voilà, bravo mon fils, maman t'attend dans la chambre, vas-y vite, allez mon fils, allez. Et voilà, t'es un bon garçon. Tu veux que maman te lise une histoire ou tu vas t'endormir tout seul? Je vais m'endormir tout seul, maman. D'accord mon fils, mais ne fais pas comme la dernière fois, tu t'es couché tard et tu n'as pas pu te réveiller pour aller à l'école maternelle le lendemain. D'accord maman, bonne nuit. Bonne nuit mon chéri. Maman n'est pas là, c'est bien. Encore la même chose, Raphaël, je t'enlève ton téléphone. Dors à la fin, tu te ne reverrais pas demain. Perdu. Maman, lis-moi une histoire, s'il te plaît. Bien sûr, mon fils. Il était une fois une garçon qui s'appelait Pinocchio. Un jour, Pinocchio décida d'aller se promener. Et voilà, c'était vraiment bien. Félicitations. Je suis venu à l'école, je vais voir tous les copains. Je vais être honnête, j'ai semé, je sais pas, je vais voir. Bon, d'accord. Bonjour, garçon, comment tu t'appelles? Je m'appelle Raphaël. Je crois que tu n'as pas bien dormi. J'ai passé la moitié de la nuit à jouer aux jeux vidéo. Je suis désolé. Ah, d'accord, mon garçon. Va à ta place. Ok, j'y vais. Merci. Hey, mon frère, tu veux qu'on soit amis? Je m'appelle Mitri. Non, laisse-moi tranquille, je m'endors, mais... Alors, les enfants, 100 plus 39, ça fait 44. C'est comme ça qu'on résout ce problème de maths. J'ai compris, madame. Facile. Dormir ou pas dormir? Je vais dormir. Quoi, plus 16, Raphaël? Il s'est endormi le premier jour? Je n'en reviens pas. C'est normal? S'endormir en classe? Je fais ce que je veux. C'est ce que ma mère m'a appris. Quand tu me parles, tu n'as pas honte? Non, madame, je n'ai pas honte. Je fais ce que je veux, sachez-le. Je suis un homme libre. Libre. Si t'es un homme libre, sors de la classe maintenant. Et viens à l'école demain avec tes parents. Sors de là! Ouais. On se reverra et on en reparlera. Très bien, va-t'en. Je suis un mec cool, sachez-le. Je suis cool et je ne pleure pas. Mes parents vont me tuer. Perdu. Madame, je suis désolé, je ne dormirai plus jamais en classe. D'accord, mon garçon, c'est pas grave. Oh, ça sonne. Alors, allez vous reposer, nous nous reverrons à la fin de la récréation.
Les gars, j'ai oublié mon repas à la maison. Je vais voler ou le demander. Je vais le voler. Mais qu'est-ce que J'adore les chips, ça. Qu'est-ce que tu fais, maîtresse? Il a pris ma nourriture. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait encore, celui-là? Regardez, maîtresse. Rapario, tu n'es pas bien? T'as encore fait quelque chose? Je lui ai pris le repas parce que j'avais oublié la mienne à la maison. Maîtresse, je vais pleurer. Il a pris ma nourriture et je reste sur ma faim. Je vais pleurer. Eh bien, ne pleure pas, Dimitri, ne pleure pas. Rapario, sors de la classe. Tu n'as pas le droit de prendre le repas aux autres. Sortir de la classe parce que j'ai pris des chips? Non. Perdu. En voler ou en demander? Je préfère en demander. Dimitri, j'ai faim. Tu peux me donner des chips, s'il te plaît, parce que j'ai oublié mon repas. Tu as faim? Oui, bien sûr. On est copains. Merci beaucoup, Dimon. Tu es mon meilleur ami pour toujours. Félicitations. Ah, mon garçon, bonne chance, Hermé. Je te souhaite le meilleur et que tu sois fort, vraiment. Oui, papa, ne t'inquiète pas. D'accord, d'accord. Un prudent, mon fils. Mange bien. N'oublie pas d'appeler ta maman. Ne t'inquiète pas, maman. Je sais ce qu'il faut faire. Je suis un homme maintenant. Je suis grand. Allez, mon fils, fais un bon service. Sois prudent et obéis à tes aînés, d'accord? D'accord, papa. Ok, maman. Bon, j'y vais, d'accord? Allez, à plus tard, mon fils. Ah, notre fils a grandi, hein? Ouais. Et bienvenue, le novice. Bonjour. Monsieur... T'as oublié où tu es? Tu dois toujours répondre affirmatif, t'as compris? Compris. Affirmatif, monsieur! Bien! Oh, c'est quoi ces cheveux là? Tu vas aller te faire couper les cheveux et mettre cet uniforme! Tu as que 5 minutes, allez vite! Allez, t'avances vite, circule! Affirmatif! Vas-y donc! Affirmatif! Je vais faire de toi un homme! Tous ceux qui sont venus ici sont devenus des hommes et très très forts! Vraiment forts! Soldats, garde à vous! Très bien, les asticots, nous avons un entraînement difficile aujourd'hui. Êtes-vous prêts? Affirmatif! Je n'ai pas entendu! Affirmatif! C'est mieux, ça! Maintenant, à droite! Et suivez-moi! Allez, on court! Plus vite, plus vite! Vous êtes comme des tortues! Plus vite! Arrêtez! Faites des bombes maintenant! Des bombes! Allez, bombes! Allez, on fait des bombes! 1, 2, 3, 4! Plus bas les nerveux! Et toi, allez! Allez! Plus vite les moussaillons! Allez, plus vite! Allez! Debout! Continuons l'entraînement! Vite, on y va au cours! Allez, en bas! Les amis, je me sens très mal. Je ne sais pas combien de temps je peux tenir encore. Et maintenant, il est temps de mettre vos capacités à l'épreuve. Affirmatif! Je vais vous donner un coup de poing dans le ventre et voir si vous tenez le coup. Vous êtes prêts? Affirmatif! Es-tu prêt, le morveux? Affirmatif! Bravo, soldat! Et toi, tu es prêt, le bon à rien? Je suis prêt, affirmatif! Pourquoi tu pleures? T'es une meuf ou quoi? Ça fait mal, non? Tu veux rentrer à la maison, hein? Chez ta maman, j'ai rien, hein? T'es une meuf, toi! Vous pouvez en rire! Bon, et maintenant, ici, je vais t'apprendre ce qu'est être un vrai homme! Les gars, je n'en peux plus. Je veux rentrer chez moi, chez ma maman, chez mes parents. Oh là là! Perdu! Oui, je vais y arriver. Frappez-moi encore. Bravo. Tu as un bel avenir ici. Bravo, soldat. C'est comme ça que ça doit se passer. Ouais. Merci. Les gars, j'ai 25 ans. Je suis riche. Je suis bien dans ma vie. Tiens, quelqu'un m'appelle. Une minute. Ouais, quoi?
à l'hôpital? Mes parents sont à l'hôpital. J'arrive tout de suite. Les amis, je n'ai pas vu mes parents depuis 5 ans. Et là, on m'appelle pour me dire que je dois être à l'hôpital tout de suite. Les copains, les amis, je n'ai pas vu mes parents depuis 5 ans. Et maintenant qu'ils sont en très mauvais état, je cours à l'hôpital. Où sont mes parents? Papa, maman, où est-ce que vous êtes? Vous m'entendez? Bonsoir, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Que s'est-il passé? Où sont mes parents? Malheureusement, vos parents ne sont plus parmi nous. Nous nous sommes battus pour leur vie jusqu'à la fin. Nous avons fait de notre mieux, mais nous n'avons rien pu sauver. Je ne comprends pas. Où sont-ils? Où sont mes parents? Je suis sûr que vos parents sont maintenant là où c'est le mieux pour eux et qu'ils vous aiment beaucoup depuis le ciel. Je ne les ai pas vus depuis des années. Je me sens très mal maintenant. Oui, je sais. Ils vous aiment beaucoup. Ils vous attendaient tous les jours, mais malheureusement, vous êtes venus trop tard. Je n'y crois pas. Voici ma photo. Sur leur lit de mort, ils regardaient ma photo. Pourquoi, papa? Je suis désolé. Je vous avais promis que vous auriez beaucoup de petits-enfants, mais ce moment n'est jamais venu. Vous savez, papa et maman, je vous aime beaucoup. Je vous promets que vous aurez beaucoup de petits-enfants, que vous aurez 4 petits-fils et que j'aurai 4 fils. Une équipe de football, 4 garçons, juste j'ai l'armée. J'aurai 4 garçons, je vous le promets. Ma jolie fille, je t'aime beaucoup, beaucoup, ma chérie. T'aimes aussi, papa. Oh, j'ai oublié d'éteindre le four à la maison. Garde le téléphone, je reviens tout de suite. Amenez ma fille avec moi ou la laisser seule un moment? Je vais la laisser, c'est pas bien grave. Je reviens tout de suite, chérie. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Oh, je vois une petite fille avec un téléphone. C'est ma chance. Au secours! Au secours! Nouveau téléphone, iPhone 14, j'en rêvais moi. Mais qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? On m'a volé l'iPhone! Quoi? L'iPhone a été volé? Ah, les voleurs! Perdu. Amenez ma fille avec moi ou la laissez seule. Je l'amène avec moi. Allez, rentrons ensemble à la maison. Allez, ma fille, allez, allez. Félicitations. Allez. Les amis, je suis devenu très riche. Je n'ai besoin de rien. J'ai 500 chaînes et maintenant je vais à mon bureau. Venez avec moi, mes amis, venez avec moi. Je vais vous faire visiter mon bureau. C'est là que se trouvent toutes nos plaquettes. Nous sommes les meilleurs youtubeurs du monde entier, les amis. Voici mon bureau et mon assistant Vladimir. Mon travail consiste à ouvrir de nouvelles chaînes et à gérer toutes les chaînes. Nous allons devenir leaders mondiaux et si vous voulez aussi une plaquette en or, postez-le dans les commentaires, d'accord? Et nous nous arrangerons pour vous. Et maintenant, les amis, allons voir l'endroit où nous tournons nos vidéos. Allez! Bravo, Vladimir. Bravo, mon pote. Bosse bien. C'est le studio, les amis. Je vais vous montrer. Venez, 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 venez. C'est ici que l'on filme le défi cuisine et c'est ici que l'on filme le défi avec des glaces. Regardez, les amis. Concentrez-vous, s'il vous plaît. Pourquoi je vous paye autant d'argent? Et maintenant, mes amis, je vais vous montrer l'entrepôt de sucreries. Suivez-moi. Les amis, je vais vous faire visiter l'entrepôt de sucreries. Oh, les gars, qui est-ce? Je crois que c'est un voleur. Il vole nos bonbons. Attrapons-le. Qui es-tu? Laisse-moi partir, patron. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que tu voles nos bonbons? Je ne comprends pas. Je suis en manque, patron. Laisse-moi partir. Tout le monde est en manque, mais tu es le seul à voler. S'il te plaît, tu es plus riche que moi. Laisse-moi partir. Que dois-je faire, mes amis? Le laisser partir ou l'envoyer en prison? Je le laisse partir. Ah, tu es libre, mon gars. Merci. Ne t'inquiète pas, mon frère. Allez, venez, je vous montre autre chose. Ah. Mes amis, ce voleur m'a fait perdre mon entreprise et je me retrouve sans argent, sans maison ni rien. Je n'ai même pas de quoi manger. Je dois chercher dans les poubelles. Perdu.
Que dois-je faire de lui? Le laisser partir ou l'envoyer en prison? Je l'envoie en prison. Félicitations. Les gars, j'ai 80 ans. Fatigué et mal partout. Tout mon corps a un mal parce que j'ai un peu vieilli. Oh, il faut que je descende. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je descende, mais c'est dangereux à mon âge. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je... Je descends tout seul? Ou bien je demande de l'aide? Je descends tout seul, ce n'est pas grave, je sais l'armée. Je descends prudemment. C'est une mauvaise idée. T'as perdu. Non, je vais demander de l'aide. Aidez-moi! Oui, papa. Que puis-je faire pour toi? Mon fils, je veux descendre. Allez, papa, c'est bien que tu m'aies appelé. Tu es un homme âgé. Faut être prudent à ton âge. Allez, viens. Allez, comme ça, bravo. Allez, bravo, mon père, tu as réussi. Merci beaucoup, mon fils. Merci beaucoup. De rien, papa. Appelle-moi si tu as besoin. Félicitations. Les amis, j'ai maintenant 100 ans et je continue à faire des vidéos pour vous parce que nous vous aimons beaucoup, parce que vous nous regardez jusqu'à la fin. Et sachez que je vivrai encore 100 ans, seulement j'ai l'armée. Mon cœur, je vous aime tellement, mes amis. Où suis-je? Pourquoi est-ce que la douleur est passée? T'as gagné la partie. Mes amis, j'ai gagné la partie. Ouais. Ah, j'ai fait tous les niveaux du jeu, les Comment gars. Comment c'était? Très cool, super. Oh, je suis jaloux. Je veux aussi jouer à ce jeu. Mes amis, nous avons trouvé un jeu dans lequel vous pouvez vivre de 0 à 100 ans en 24 heures. Ouais, Dimon, mais c'est très dangereux, tu sais. Si Dimon ne passe pas au 3 niveau, il sera coincé dans le jeu pour toujours, les mecs. Et donc, Stas, assieds-toi à côté de moi et regarde-moi. Très bien, Dimon, mets ton masque et entre dans le jeu. Et bonne chance à toi, mon petit gros ferro. Allez. Hein? Oh! Mon petit pleureur! Oh putain, il s'est réveillé! Ouais, mon garçon, qu'est-ce qui va pas, mon fils? Ouais, je vais l'ouvrir, ce petit bébé! Je crois que le bébé a faim et l'a mangé il y a longtemps! Je vais l'ouvrir, moi! Je vais l'ouvrir, moi! Non, moi! Ouais, je vais l'ouvrir, moi! Moi! Ouais, je te dis, je vais faire comme ça avec lui! Ouais, c'est moi qui l'ouvrir! Ouais, c'est moi le papa, bravo! Mon chéri, je lui donne à manger, tu sors sa couche, d'accord? T'es d'accord? D'accord, on va lui faire manger, allez! Ouais, j'ai fait des toasts pour mon fils, avec de la saucisse et puis du fromage, pour qu'il devienne un homme comme son père, ouais! T'es fou, mon garçon, ou quoi? Tu veux donner du pain grillé à ton bébé? Ouais, t'inquiète pas, je te dis, c'est comme ça que j'ai grandi, moi! J'ai mangé ce genre de choses et je suis devenu un homme, tu vois bien, alors, regarde! D'accord, qu'est-ce que je peux dire? Donne-lui à manger! Ouais, mon garçon, mange, mon garçon, allez, mange, mon garçon, allez, c'est ça! C'est moi, n'est-ce pas, hein? Choisir juste, maman. Moi, bien, va lui faire du lait, je sais pas quoi d'autre, là, c'est pas grave, allez, vas-y. Et toi, mon bébé, tu verras ce qui t'arrivera quand tu seras plus grand. Dieu l'aime, mon fils, il est prêt, regardez, apprends. Eh bien, mon petit, bois le lait. Tu deviendrais un vrai homme, toi. Vroom. C'est tellement amusant. J'ai mal au ventre. Ça gargouille, j'ai faim, oh. Du chocolat. Oh, regarde. Dimon, abruti, qu'est-ce que t'as fait? Mais t'es fou.
Mais qu'est-ce que t'as fait? T'es complètement con ou quoi? On t'a dit de ne rien manger, on va te nourrir nous-mêmes. J'aime le chocolat. Mais t'es un très mauvais garçon, moi. T'es complètement con. C'est pour ça que t'es puni. Tu vas faire attention pour le tour. Bah, te dis-moi, allez, pauvre merde, là, je vais te niquer, moi, je vais te défoncer. Je préfère attendre mes parents. Comme la maison est propre. Oh bravo mon fils, bravo, c'est comme ça qu'il faut faire. Bonjour papa et maman, j'ai faim. Papa mon garçon, allons manger un yaourt. Oui, allez, allez. Moi je veux devenir un homme, mange comme ton papa. Mangez, mangez, mangez. S'il te plaît mon garçon, tu vas te manger, d'accord? Je vais tout manger maman, oui. Bravo mon garçon. Oh, vu le garçon, qu'est-ce que t'as fait? Mais t'es complètement con, ouais, quoi? Qu'est-ce qui va pas avec la nourriture? On t'a pas appris ça ou quoi, espèce de débile, va? Oh, mais c'est normal ou quoi? Tu te moques de papa? Allez, tu vas être fini maintenant! Bon, allez, on y va! Tu fais mal à ton temps plus rare, te dis-moi! Ouais, c'est ça! Allez, hop! Je suis désolé, papa. Je viens de renverser. Je le ferai plus jamais. D'accord, mon fils. Oh, fais attention à la prochaine fois, hein. Et n'oublie jamais ça, mon garçon. Sois sage et sois mon garçon, merde, allez, non! Oui, bien sûr. Je serai un garçon sage. Ah, bon, ouais. Oh, les amis, les premiers jours à l'école, j'ai hâte de me faire de nouveaux amis et peut-être de me trouver une copine. Je sais pas, je suis peut-être jeune pour ça. Quoi qu'il en soit, allons-y. Ok, les amis, il est temps de vous présenter le nouvel élève. Elle s'appelle Dumont. Bonjour, les gars. Bonjour, Dumont. Dumont, tu vas t'asseoir où? Avec Jean, il est rapide, mais ce n'est pas un mauvais garçon. Avec Nicolas, c'est un très bon élève et très gentil garçon. Je vais m'asseoir avec Yvan. D'accord, d'accord. Va t'asseoir. Salut! Bravo mon pote! Bonsoir! Toi et moi, on va bien s'amuser maintenant! Regarde! Ouais! Et là, t'es loqué devant, là! Ce Nicolas, c'est ennuyeux! Fais pas attention à lui, c'est une merde, je te dis! Ouais! D'accord, très bien! Mais sache que c'est moi qui dirige cette classe! Et je fais ce que je veux! Ouais! Ça va pas? Qu'est-ce que tu fais? Je vais te dire au prof si tu refais ça! Ouais, oh, fais attention à toi, parce que si tu me dénonces, tu seras défoncé plus tard, quoi! T'as compris? Pourquoi, mon pote? Tu te crois le plus fort de l'école, mec? Je suis fort aussi, mec! Mais qu'est-ce que tu racontes? Donne-lui un coup de pied dans la tête! T'es mon pote ou quoi? Bien sûr, on est potes tous les deux, ouais? Oh, t'es fou, mec! Laisse-moi tranquille, je dis toi, la prof! Ouais, d'accord, d'accord. Bravo, mon pote, bravo! Maintenant, des copains! Maintenant, on est plus cool que les plus mecs de l'école, quoi! Oh, comme c'est ennuyeux! Regarde ce que je vais faire, regarde, regarde, regarde! Vous pouvez vous calmer, si vous recommencez, je dis toi, la prof! Non, ta gueule, je vais te défoncer là, tu vas voir ta mère! C'était très drôle, je vais lancer moi aussi. Lance-le. Oh, madame, je n'en peux plus, ces types embêtent tout le temps, dites-leur s'il vous plaît! Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Dis-moi, t'es normal? C'est ton premier jour à l'école, tu te comportes comme ça? Sors de la classe! Quoi? Sortir de la classe? C'était pas fait exprès, je plaisantais! Ah, d'accord, mon père, peu importe, nous avons tous été excusés de la classe! Je vais me faire gronder par mes parents! Je vais m'asseoir à côté de Nicolas. Très bien, va t'asseoir avec Nicolas. Viens t'asseoir, mon pote. Ah, oh, super. Bonjour, Nicolas. Bonjour, Dumont. Je sais que Jean, qui est derrière nous, est vraiment méchant. C'est une bonne chose que tu te sois assis avec moi. Mais qui c'est qui est méchant ici, hein? C'est les geeks, te dis, moi. C'est pas moi. Oui, Nicolas. Il est vraiment très méchant et grossier. Ok, les gars, préparez vos cahiers. On va faire un contrôle. Nicolas, je suis pas prêt. Peux-tu m'aider? Oui, oui, bien sûr. T'es un super garçon. Tiens, tu peux tout copier. Oh, super. Eh, les gars, vous me laissez copier un petit peu, s'il vous plaît? Allez, quoi, c'est cool, quoi. Non, t'es un sale type. Pourquoi je t'aiderais? Je suis méchant, moi? Moi, je suis mauvais. Mais tiens, procède. Oh, ça fait mal. Est-ce que t'es fou, toi? Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi copier tout de suite ou si je te défonce, je te dis, moi. Non, je ne t'aiderai pas. Tu m'aideras pas? Là, tu vas voir ce qui t'attend, là, mon petit gars, là. Hey,
Arrête de toucher mon pote, d'accord? Calme-toi. Ouais, le nouveau, je crois que tu sais pas où t'es là, putain. C'est moi qui dirige cette classe, c'est pas toi là, ok mon petit gars? Si tu le touches encore, tu feras affaire à moi, c'est compris? Le nouveau, tu vas voir ce que je vais te faire à la récré. Tu vas voir. Dis-moi, merci beaucoup de m'avoir défendu. Je te laisserai copier à tous mes examens. Merci, merci. Oui, mon pote, c'est pour ça qu'on est potes, pas vrai? Ouais. Bon, les copains, c'est la création, tout le monde sort de la classe. Qu'est-ce que je t'ai déjà dit, mon petit con? Tu es très méchant et sache que je n'ai pas du support de toi. Tu as pas peur de moi, c'est vrai, attends? Oh, mon pote, pour la première fois de ma vie, je suis protégé. Oui, Nicolas, bien sûr. Toi et moi sommes des amis et je dois te protéger. Toi et moi ne sommes pas seulement des amis, nous sommes les meilleurs amis du monde. Je te soutiendrai toujours. Oui, oui, Nicolas. Oh, merde, les gars, pourquoi travailler encore? Et puis le patron, les gars, c'est le pire. Je pense que le jour démissionnerait. Je ne pense plus. Oh, Démon, qu'est-ce que tu fous? Viens vite, c'est un boulot pour toi. Viens vite. Oui, monsieur, j'ai presque terminé tout mon travail et je suis sur le point de rentrer chez moi. Tu rentres chez toi? T'es pas un peu fou? J'ai un cadeau pour toi. Pour pouvoir partir, tu dois tout boucler. Qu'est-ce que ça veut dire? Combien d'heures je dois encore travailler? Je suis déjà là depuis 10 heures. Tu vois ça? Je suis ton patron et tu vas faire tout ce que je te dis de faire. Tu sais, c'est ton boulot, t'as compris? D'accord, d'accord, donnez-moi ça, donnez-moi ça. Tiens, prends ça, Démon. Attends, attends. D'accord. Et fais-moi un café, s'il te plaît. Je suis fatigué, très fatigué. Vous êtes sérieux, là? Je dois faire un café. Je suis quoi, un secrétaire? Pas seulement, Démon. Je suis ton patron, sache-le. Ok, maintenant, vous allez voir. Bon, je le charge de quoi d'autre? Ah, ce patron, je ne peux le supporter. Sérieusement, il m'a dit de faire un café. Je ne peux pas le faire. Très bien. Du sucre? Ou peut-être que je mettrai du sel? Je vais y réfléchir. Je vais le saler. Oui, c'est ça, donc c'est très salé. C'est ça, je lui mets du sel parce qu'il a usé tous mes nerfs et que je ne peux plus. Très bien, je suis prêt. Mais avant d'aller plus loin, j'ai besoin de votre aide. Je veux que vous me souteniez parce que c'est une étape très difficile que je dois faire face à mon patron. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner, d'accord les amis? Comme ça, si vous me soutenez, je ferai encore plus de farce pour vous. Allez, les... Enfin, Démon, bravo! C'était pas trop tôt! C'est le café pour le meilleur patron de tous les temps! Ouais, ouais, ouais! Et j'ai encore du travail pour toi, ne t'éloigne pas! Oui, oui, bien sûr! En attendant, savourez votre café! Merci beaucoup! Qu'est-ce que c'était, Démon? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, à la place du sucre, j'ai mis du sel! Parce que vous êtes un très mauvais patron! Quoi? Tu veux que je te vire? Reste là où tu es, Astico, assieds-toi vite. J'en ai assez de toi, c'est moi qui démissionne. J'en ai marre de ton carancho. Mais j'ai une très belle calvitie, Démon. Et tu sais, un jour je serai tellement riche que tu me rendras à travailler pour moi et je me moquerai de toi, Cho. Démon, pourquoi me traites-tu comme ça? Je veux que tu restes ici pour travailler. C'est fini, je suis un homme libre. À partir de maintenant, je vais créer mon propre entreprise et vais faire une carrière. Je vais devenir l'homme le plus riche du monde. J'ai faim, donnez-moi de l'argent pour manger, du pain, des gens. J'ai faim, s'il vous plaît, donnez-moi quelque chose à manger. Attends, tu ne serais pas du monde de mon école? Toi et moi étions dans la même bande et nous étions amis. Attends, et toi, t'es Nicolas de mon école? Oui, Dumont, c'est moi. Comment va ta vie? Que deviens-tu? Je m'en dis ici, je demande de l'argent parce que je n'ai rien à manger. J'ai perdu tout mon argent, maintenant je suis un mendiant. T'étais un bon élève, t'avais un bon travail, maintenant comment en es-tu arrivé là? Oui, j'avais un travail, mais j'ai démissionné parce que je n'aimais pas la pression. J'ai créé ma propre entreprise et je l'ai fait faillite. Ouais, mon pote, je suis désolé pour toi. Je n'ai pas d'argent sur moi, mais j'ai un cadeau pour toi. Quel genre de cadeau, Nicolas? J'ai juste très faim. Regarde, chaque jour j'achète une loterie et j'espère avoir de la chance. Cette fois-ci, je te la donne. C'est à toi de tenter ta chance parce que t'es mon meilleur ami. Prends-la, s'il te plaît. Oh, je peux même gagner 1 million? Écoute, il y a très peu de chances de gagner 1 million, mais je pense que tu peux gagner au moins 20 euros. Merci beaucoup, Nicolas, merci beaucoup. Oh, tu pues un peu, ce n'est pas grave, d'accord. Peut-être que tu gagneras plus et que tu pourras t'acheter des vêtements. Bonne chance à toi. Oh, merci. Oh, voyons voir. Oh, j'ai gagné quelque chose. Voyons voir. Attends, j'ai gagné autre quelque chose. Oh, voyons voir. Oh, dites-moi que j'ai gagné 1 million d'euros. J'ai 45 ans et je me sens comme si j'avais 20 ans. C'est ça la vie.
Les millions vous rendent jeune. Merci beaucoup à Nicolas de m'avoir offert un billet de loterie. Oh, quel est ce bruit là? Oh. Qui s'est introduit dans ma maison? Jamais tout sortir de cet endroit. Oh, ce sont des belles montres. Je vais toutes les prendre. C'est ça, c'est ça. Oh, il y a un cambrioleur chez moi. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, je vais m'occuper de lui moi-même. Alors, je vais te mettre la beauté. Ah, t'es sûr, toi? Mais c'est un peu. Oui. Ça fait mal. C'était une mauvaise idée, finalement. Un cambrioleur s'est introduit chez moi. Qu'est-ce que je vais faire? Hein? Je ferais mieux d'appeler la police. La police? Oui, il y a un cambrioleur chez moi. J'ai besoin de votre aide. Super, super, je tente. D'accord, d'accord. Later. La police, les mains en l'air et ne bougez pas. Oh, d'accord. Je vais te mettre en... Désolé. Merci beaucoup, monsieur policier. Voyons voir. Oh, c'est Jean. Nous sommes allés à l'école ensemble. Oui, c'est moi, Limon. Tu es devenu riche. J'ai eu l'occasion de te cambrioler. Tu le méritais bien. Tu sais que tu vas aller en prison maintenant. Tu le mérites aussi. Oui, bien, tu retournes à l'école. Tu commences à étudier et tu trouves un bon travail. Non, c'est pas... Les mains en arrière. Allons, en prison, maintenant. Les amis, vous devez bien travailler à l'école. Lisez pour ne pas devenir comme Léor, comme Jean. C'est compris? Oh, c'est bien, je vais me détendre. Allez, Jean, joue. Dis-moi. Oh, pourquoi t'es si lent? Jean, j'ai pris le tien. Oh, dis-moi, tu es très bon, tu sais que... Oui, j'ai bien étudié. Hey, dis-moi, tu vas bien, toi? Que s'est-il passé? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a besoin d'aller à l'hôpital, amène-le tout de suite! Regarde, il a ouvert les yeux! Dieu merci, il a survécu! Les gars, je suis vraiment malade, je crois que je vois une lumière blanche. Oh, pas une lumière blanche, non! Mes amis, nous avons deux mauvaises nouvelles. Courage, mes amis. Oui, les amis, c'est dommage, mais ce sont ses dernières minutes. Vous pouvez lui faire vos adieux. Vous devez rester fort, les amis. Je vous aime tous, mes amis. Dis-moi, as-tu un dernier vœu à formuler? Oui. Amis, je veux que vous donniez tout mon argent à la charité. Bien sûr, Simon. Tu es un homme très gentil, vraiment très gentil. Merci pour tout. Du monde, nous sommes les meilleurs amis depuis le lycée. Ne t'inquiète pas, tu iras au paradis et tu seras heureux là-bas. Je t'assure que tu seras heureux. Oh, où suis-je? Ah, j'ai compris, je suis au paradis. Dimon, réveille-toi. Oui, j'ai gagné, je suis allé au paradis. Ouais. Dimon, tu es vivant, j'ai cru qu'on t'avait perdu, parce que tu as plané là pendant des heures. C'est un jeu très cool, Stas, le meilleur jeu. Les gars, qu'est-ce que tu veux, Dimon, on joue là? Je peux aussi jouer à la PlayStation avec vous? Va-t'en, putain, sors d'ici là, allez. Quels chips! Sors d'ici! Ne touche pas à mes chips! Je travaille! Raffario, je ne peux même pas en avoir un, ça là! Va-t'en! Ok, très bien! Oh, les amis, personne ne me tient compagnie! Je suis toujours tout seul! Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Une commande de quelqu'un? Voyons voir! Maintenant, je dois appeler mon avocat! Voyons voir ce qu'il y a dedans! Oh mon dieu! Les gars, regardez! Ça, les amis, c'est une vraie grosse poupée vaudou!
Et si mes amis, j'ai des photos des gars, je peux les contrôler secrètement sans qu'ils le sachent et c'est parti! Mais tout d'abord les gars, cachons-nous! Mais d'abord les gars, je vais mettre une photo de Stas. Je vais te démolir mon petit frère. Non mais pas question. Très bien les gars, la poupée de Stas est prête. Applaudissons et voyons si elle fonctionne. C'est parti. Pourquoi tu fais cela? Je le fais pas, tu sais, je suis en train de jouer moi. Ouais, j'ai marqué un but. Qu'est-ce qui s'est passé? Super les gars, la poupée fonctionne. Maintenant soulevons une jambe de Stas. Comme ça. Hop. Et l'autre maintenant. Non mais Non mais Stas, assieds-toi correctement. Je ne fais pas ça, mais je te le dis moi. D'ailleurs, je perds pas, je gagne. Tu perds, alors tu joues donc le malin. Joue. Non mais... Maintenant les gars, posons les pieds sur terre. Enfin, c'est bon. Stas, regarde comment tu perds, 7-0. Je perds pas moi, tu sais. Ouais, tricheur, mais ne pleure pas, pleure pas. Je pleure? Est-ce que je pleure? Je pleure pas, non, je pleure pas. Il veut le frapper, je vais le faire danser. Et voilà. Qu'est-ce qui m'arrive? Ouais, tu voulais me frapper, maintenant tu danses? Mais je me contrôle pas, merde, c'est pas ce qui m'arrive à mon corps. Pourquoi est-ce que je te scoute là? Pourquoi je suis un connard? Je suis un super connard, Et maintenant les gars, on reprend leur photo. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, il y a quelque chose qui va pas. Je sais pas ce qui se passe, je vais aller me reposer, allez, d'accord? Moi je joue plus, hein. Ouais, allez, c'est une excuse parce que tu perds. Maintenant, changeons le visage. Mettons le visage d'Odyssée. Mais les gars, avant que je le change, faites comme si vous étiez cette poupée vaudou. Je prends votre main, j'appuie sur le bouton d'abonnement. Maintenant, j'appuie sur la cloche et c'est comme ça que vous serez les premiers à visionner nos vidéos. Maintenant que ce stupide Stas est parti, je vais aller manger quelque chose. Les gars, la poupée vaudou Odyssée est prête. Maintenant, nous allons la manipuler. D'abord, on verse les céréales dans l'assiette. Ouais. Super, maintenant versons le lait. Et moi les gars, j'ai un peu de lait ici, comme à Odyssée. Ok, versons le lait dans les céréales. Très bien, très bien. Versons-le sur la tête. Ah chouette, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Les gars, j'ai l'assiette de lycée ici. Regardez ce que je vais faire. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je prenne les serpillères et que je nettoie tout. Ouais, les amis, comment j'ai fait ça? Il faut que tout soit nettoyé plus vite. Les gars, maintenant regardez ce que j'ai. Alors, prenons ça, prenons-le avec nos mains, enlevons-le et mettons-le sur la tête. Voyons voir, voyons voir. Oh non, pourquoi cela? Oh non, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quelque chose ne va clairement pas. Ok les gars, on s'est tous moqués d'Odyssée et de Stas. Maintenant, allons voir Raphaël. Raphaël, qu'est-ce que tu fais? Chut, ne me dérange pas. Je prépare des documents très importants pour mon avocat. Est-ce que tu comprends? D'accord, Raphaël, je voulais juste te parler. Excuse-moi, mais c'est très important pour moi. Maintenant, sors d'ici parce que tu me distrais. D'accord. Je m'en vais maintenant. D'accord, au revoir. Les gars, comme vous l'avez vu, Raphaël m'a chassé et je lui ai préparé une poupée vaudou avec son visage. Et maintenant, je vais lui rendre la vie difficile. Alors les gars, prenons ces papiers et déchirons-les. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai fait? Ce sont des papiers très importants, les gars. Qu'est-ce que j'ai fait? Les gars, je crois que je deviens nerveux. Je suis vraiment fatigué. J'ai besoin de reprendre mon souffle. Les gars, maintenant faisons de la gymnastique. C'est parti. Droite, gauche, droite, gauche, droite. Qu'est-ce que c'est? Stop. Maintenant on fait des squats. Les gars, regardez. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je n'arrive pas à contrôler mon corps, les gars? Commençons les squats, les gars. Les gars, aidez-moi.
Qu'est-ce qui se passe? Les gars, il y a une piscine là-bas, maintenant plongeons. Wouah, hop, non, c'est une blague. Oh. Wouah, les gars, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Vous avez vu, j'ai failli sauter dans la piscine. Et maintenant, nous tournons le dos à la piscine et on tombe tranquillement, tranquillement. Qu'est-ce qui arrive à mon corps? Voyons voir ce qu'il va faire. Je dois sortir. Est-ce qu'il veut sortir? Non les gars, retour dans la piscine, allons-y. Et faisons une petite pirouette dans l'eau, ah, c'est ça. Arrêtez, arrêtez. Hop, 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 hop. J'arrive pas à y croire. Qu'est-ce qui m'arrive? Il m'arrive quelque chose, les gars. Je ne peux pas comprendre ce qui se passe. Toute ma journée se passe mal. Les gars, vous aimez ces vidéos? Je les aime beaucoup. Et j'ai besoin de votre force pour montrer votre soutien. Abonnez-vous et vous serez les premiers à voir nos vidéos. Maintenant, allons nous reposer. Les gars, Stas est maintenant dans ma chambre en train de jouer à son ordinateur. Faisons une petite blague, hein? Tenez les gars, j'ai un briquet. On va le faire frire. Qu'est-ce qui se passe? Oh, oh, c'est chaud, c'est chaud. Je brûle, oh, je suis en feu. Très bien les gars, ça suffit. Congelons-le maintenant, oui. Regardez, prenons la glace et c'est parti. Comme ça, oui, oui, oui. C'est très froid. Pourquoi est-ce que c'est chaud comme ça? Pourquoi je suis chaud? J'ai froid maintenant. Maintenant j'ai froid. Oh, je suis gelé. Froid, j'ai froid. J'ai froid. J'ai froid, mesdames. On enlève le visage de Stas maintenant, les gars. Revenons au visage de Raffario. Suivez-moi. Raffario, tu dois pas me croire. C'est incroyable. J'ai renversé le lait sur moi. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a pire. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai déchiré des papiers très importants. Puis j'ai sauté dans la piscine. Ah, je n'ai pas pu me contrôler, Odyssée. Moi non plus, c'est la même chose. Peut-être que nous sommes malades, Odyssée. Les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez bien? Non, ça ne va pas. Nous avons un très grand problème, Dimo. Quoi? Tu dis que tes jambes montent? Oui, oui, comment le sais-tu? Voyons voir, est-ce que ta jambe gauche monte? Ah, qu'est-ce que c'est? Et maintenant la droite? Ouais. Et maintenant vers le bas? Ah, regarde. Hein? Qu'est-ce que c'est? Hey. Les gars, c'est une poupée vaudou, regarde. Oh, mais non. J'enlève ma photo. Raffario, mets cette photo-là maintenant. Ah, Dimo, maintenant tu vas apprendre ce qui arrive à ceux qui embêtent Raffario. Non, les gars, non, ne faites pas ça, les gars. Oh, c'est fait. Hop, hop, qu'est-ce que c'est? Apporte-le à ma fesse, je vais lui faire quelque chose. Oui, bien sûr. Super. Ça pue, quelle infection. Je te laisse sentir mon aisselle en sueur. Enlève-le, enlève-le, arrête. Ça suffit, Raffario. Un cadeau pour toi. Oh, merci beaucoup les gars d'avoir eu pitié de moi. Oh mon dieu. Non, Dimon, nous n'avons pas encore fini. Voilà cette glace et on fait comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes des imbéciles. Imbéciles, arrêtez. Qu'est-ce que tu fais? Ah, dégueulasse. Je m'en vais, je ne vous parlerai plus. À plus tard, minable. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la sonnette pour ne pas manquer nos vidéos. Et rendez-vous dans la prochaine vidéo.